Eh bien, salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Dead Space 3. Et je suis avec ce mec un petit peu glauque là, toujours. Comment ça va, Nano? Ok, tu m'as foutu un vent, enfoiré, va. Ah Donc, mince, Sylvie. on est au niveau de notre du troisième épisode de Dead Space 3. Et on vient de rentrer dans la première... Reste là, laissez-moi. De la y a première personne. épave, All is Lost. Tout est perdu. Merci pour la traduction instantanée. Ah mais on parle anglais tous les deux, donc il n'y a aucun souci. Armature load standard, ça je prends ça. C'est une pièce d'arme, mais comme tu vas jouer qu'avec... Le cutter plasma, ça me servira pas à grand chose. Mais étant donné que quand même il y a deux armes et que cette arme là je pense que je vais la changer, on verra bien. Ah d'ailleurs, il n'y a que deux armes. Ouais, mais enfin, d'ailleurs, il y a un truc qui me stresse, c'est. Mercredi. Bon, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on fait pour changer l'ordre des armes? Parce que moi, ça me fait chier d'avoir le cutter placement en 2 et. Le flingue de merde. Moi, donc je m'en fous. Ouais, bon. Allez, ça, par contre, c'est un petit bug que j'ai découvert. Et tu fais ça, il reste en l'air normalement. Ah non. Ah, curieux. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, Sylvie, c'est toi l'ingénieur. Ouais, donc c'est moi qui fais tout le taf, c'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Bordel de merde. Speedy bâtard. J'ai du mal à respirer. Combien de temps? Ok, on fait aussi vite que possible. Marc devient très pâle. Je peux pas le soigner. Merde. Isaac, rejoignez la porte. Je peux vous faire entrer. C'est un Daft Punk, le mec. Bah, moi aussi, je te signale. Enfin, un petit peu bizarre, mais bon. Non. Allez, on y va. Allez, tourne cette putain de... C'est toi l'ingénieur, c'est toi qui ouvre les portes. Ah, faut vraiment tout faire soi-même. Hein. Foiré, pourquoi ça marchait avec toi et pas avec moi? Le SOS d'Eli vient d'une zone plus éloignée, mais je reste avec Rosen et Locke. Envoyez-moi le signal, je vais aller voir. Le voici. Eh, hey, n'allez pas trop loin, c'est un ordre. Merde, c'est un Daft Punk, je suis désolé le mec. Bloc moteur Tesla. Tesla. Tesla qui est un scientifique et qui a donné son nom à la mesure des aimants. De quelle nationalité était-il? Je sais pas. Hongrois. Il me semble que c'est hongrois. C'est où qu'on voit les objectifs là? Je me renseignerai. J'ai un doute maintenant. Hongrois, Autriche. Non, pas Autriche, ça c'est sûr. Ukrainien peut-être. Ah, n'est pas la question. Je veux pas me ridiculiser en balançant des. Comment qu'on voit les objectifs secondaires? Il y en a pas pour l'instant. Ok, d'accord. Bon, soit. Pour moi, t'inquiète pas, tu sauras bien quand il y aura. Un objectif secondaire, d'accord. C'est vrai que c'est un jeu d'assisté ça. Semi-conducteur. C'est quoi ça? C'est des pièces pour l'upgrade? Chargeur. Tout ça, c'est des pièces d'armes. Ok, d'accord, bon, on verra bien. Ingénieur, il y a une porte ici. Ah ouais, c'est du conducteur 21, ok. Ah oh, bah j'arrive, 30 secondes. Oh putain la vache, j'aurais pas dû bouffer autant de Golden Grams. Golden Grams. Putain mais tu... En fait t'as un contrat, tu dis une marque par épisode quoi. Non. C'est vrai, pendant que tu penses. Non, j'y pense. C'est impossible si on en dit une, d'en dire au moins trois autres. Des cercueils partout. On dirait des funérailles. Des exécutions. Voilà. Comment vous savez? La hauteur des taches de sang. C'est pas bon. T'es à peine glauque, mec, quand tu dis ça, tu vois. Bon, ingénieur, c'est à toi de trouver le chemin. C'est en face. T'as un circuit d'amélioration ici si ça t'intéresse. Ouais, mais un interplein, d'accord, je vais virer. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer? C'est ça, voilà. C'est simple peut-être. Ouais, j'en ai utilisé un. Plus une de recharge. Génial, c'est totalement inutile. Ça ressemble à une cloison de quarantaine. C'est pas inutile. Non. Elle est trop épaisse. Je pourrais l'ouvrir en l'alimentant. Ah, ma petite connerie, je suis sûr que je peux l'ouvrir moi-même. Pourquoi c'est verrouillé ce truc-là, sans déconner? Attends, t'as vraiment essayé de taper ce truc-là? Je
Bon. Je m'en fous, tout est dans les muscles. Ça sert à rien d'avoir un cerveau. Normal. Hop là, je vais utiliser l'établi. Tout seul. Bloc moteur, ça se fait. Il y a deux places, je te rappelle. Hein. Ouais, bon, ok. Brise surface débloquée, disponible dans le coffre. Ouais, je vais utiliser le brise surface. C'est pas tranquille. Utiliser le schéma pour fabriquer les armes, plan, trouver ou reçu un partenaire, utiliser l'amélioration d'armes pour ajouter circuit, amélioration d'armes, machin. Fabriquer objet pour fabriquer les munitions, kit de soins, recharge de stase et ressources, et utiliser le coffre pour gérer votre inventaire, les armes stockées se trouvent ici, machin, ok. Donc ça, je m'en fous. Oui, ok. Chacun dispose d'un outil supérieur. Inférieur. Ok. Ok. Attends, j'ai échangé mon cutter plasma, voilà. Alors, 30 secondes, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le brise-surface. Je prends à la place de ça. Et ça, je le prends à la place de ça et je vais l'upgrader. Cutter plasma standard, compact, avec rapporteur, c'est de la merde. Je vais stocker quand même un kit de soins. Ok. Ça va être bon. Alors là, c'est le petit moment. Amélioration sup. Tu verras en passant pas mal de temps. Ouais. En tout cas, moi j'ai une idée de ce qu'il me faut. Mais en fait, on peut faire. Il y a 3 armes au total, hein, on peut faire. Oh, ça y est. Non. Avec ce que t'as. On peut faire au total 3 armes, non? Avec ce que t'as. Non. Je sais pas. Comment ça, on peut faire 3 armes au total? Quand t'as des pièces que tu peux mixer, tu peux en faire des armes. Il y en a plus d'une centaine potentiellement. Bloc moteur Tesla, il fait quoi en fait? Ah, ça te permet de faire. Ça te permet de faire, que je dise pas de bêtises. De charge électrique en plus, quoi. Ah, tu peux faire un trancheur ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, perso, je vais pas faire d'arme secondaire, je vais attendre. Parce que si je vais mettre une arme, ça va être pour la démonter ensuite. Ouais, bloc militaire. Ouais, tu peux aller les pièces à chaque fois, puis. Bah, pour le moment, de toute façon, moi je vais rester avec mon arme de base, mon cutter plasma. Alors. Pense à installer les circuits d'amélioration sur ton cutter plasma. Moi, je viens mais on est limité. Je viens de mettre. Tu sais, c'est le menu du milieu, amélioration arme. Ouais, mais on est limité, non, là-dedans. T'as 8 pour le cutter plasma, t'en as 8. T'as 8 emplacements, c'est à toi de placer les circuits où tu veux. Ouais, sauf que moi j'aimerais bien foutre plus de puissance plutôt que la charger. Ah, tu peux peut-être, tu vois, tu, par exemple, je sais pas, tu fais. Tu sélectionnes un circuit vide. Ouais. Ton appuie sur dégâts. Fabriquer un nouveau circuit, si t'as les pièces nécessaires, tu peux les fabriquer les pièces. Attends, comment est-ce que tu fais pour donc dégâts? Ah oui, fabriquer un nouveau circuit. Ouais, voilà. Ouais, sauf que j'ai pas les pièces. Voilà. Ça remplace le système de points de force si tu veux. D'accord, putain, ça a l'air complexe. Bon, allez, on a perdu assez de temps comme ça. Schéma. Ouh, y'a plein de trucs qu'on peut faire là. Le Mjolnir. Méga PK. Ok. Bon, il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Donc, je vais rester avec le cutter plasma classique. Attends, ouais. Bah, moi, je te conseille d'attendre une fois que t'auras des trucs du style embout, etc. Moi, j'attends d'avoir un embout conique. Tiens, je t'envoie ça. J'ai le somatique, c'est pas ça que je voulais faire. Non, prends-le, ça, c'est des ressources, ça te prend pas de place dans l'inventaire. Oui, non, mais non, c'est gel somatique, mais je voulais le prendre, sauf que le problème, c'est que j'étais. Je me suis accroché à l'échelle sans le vouloir. Y'a plus rien au-dessus? Non. Transducteur, kit de soins moyen. Enfin, il me faut des transducteur et ferraille. Ici. Je sais pas si tu les avais récupérés là. Ouais, t'inquiète. Quasi oui. Ok. Bon. Moi j'attends d'avoir pouvoir faire un embout conique pour faire un fusil à pompe. Attends, par contre au-dessus je suis pas allé voir là. Non, c'est bon, j'ai récupéré les caisses qu'il y avait là-haut. C'est pour ça que je te les ai envoyés. D'accord. Pour faire monter. Regarde, j'ai te montré qu'on peut la casser cette porte. Regarde, elle s'ouvre, t'as vu? Mais c'est à peine nul ce que tu viens de faire. Ah, t'es ingénieur peut-être? Ouais. Ingénieur de la CEC, mec. Attention, c'est pas n'importe quoi. Ouais, moi je suis du gouvernement. T'as pas à parler.
en attente du partenaire. Mais il est à côté de moi, le partenaire, qu'est-ce qu'il fait chier? Oh là là, faut tout faire soi-même, hein. Je t'emmerde. Tant de galanterie. Bah ouais. Oh oui. J'aime bien ce genre de bruit, ça me fait penser à Alien. Là, c'est vraiment un mix entre Alien et... Et The Thing. Dead Space, quoi. Ouais, voilà. Ouh, c'est une momie. Putain, ils sont tous secs, les mecs. C'est toi l'ingénieur, c'est ton problème, ça. Salut. T'aide un peu. Ça va? Tu vois, c'est moi qui donne les ordres là. Ah, tu vas te calmer, j'aime pas trop ton comportement, toi. Rebelle. Attends. C'est toi l'ingénieur, c'est ton problème. Genre, enfoiré, va. Viser les membres des ennemis pour les arrêter, comme si je le savais pas. Putain de merde. Je sais pas pourquoi je sentais venir là le mec qui était sur le plafond. J'ai le sommet. Prends les membres coupants et retourne-les contre eux. Ou alors tu les assommes avec une caisse. Ça marche bien aussi. Ouais, faut, enfin, faut savoir viser quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Vachement résistant. Hein. Bah, c'est des momies, tu vois. C'est. Oh, tiens, artefact des fax. D'ailleurs, ça me fait penser que vendredi j'ai un TP fax. Sans déconner, c'est vrai, en plus ça s'appelle vraiment comme ça le TP. Ah. C'est limino. C'est chiant. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. T'as compris, faut tourner le truc. C'est des scorpions. De quoi? C'est des putains de scorpions. C'est des putains de scorpions. Tu vois au fond là-bas? Ah ouais. Et lui. Et ses jambes. La tête, si tu la trouves. Pourquoi t'as le cutter placement en vertical, sans déconner? Parce que toi, tu tires sur les jambes, moi je tire sur les bras. Tu sais, on appelle ça un travail d'équipe. Ouais, enfin, même avec les bras, enfin, même sur les bras, il faut tirer en horizontal, pas en vertical. D'où t'as vu jouer ça, sans déconner? Je me comprends, j'ai mes préférences. Ah, un point de force. Ah, circuit d'admiration. C'est vrai qu'il n'y a plus les points de force. Les points de force, j'ai pas mis faire. Ça va, tu t'es pas trop fait éclater là? Non. Bah attends, j'ai trouvé un message. 30 secondes. Bordel, comment est-ce qu'on les lit les messages? Faut faire table immédiatement dès que tu l'as. C'est pas ça que je voulais faire, bordel, j'ai fait de la merde. En fait, ce que tu fais comme moi. Hein. Tu ouvres le message 2 secondes, tu dis de faire pause et voilà. Hein. Bon, c'est pas grave. Crudy. Bon, bah j'ai loupé un message. Hein. Au moins, j'aurais récupéré, c'est pas grave. Ouais. On y va. Ah, t'as vu, je suis super comme toi, je suis ouvert les portes. C'est bien. Oh, je me fais dorer la pilule. Normal, quoi. Comme d'habitude, dans Dead Space, c'est le bordel. Je peux pas la ramasser. Moi non plus, je peux pas la ramasser. C'est quoi Star Max? L'attrape. Je peux pas la ramasser. Ah, faut l'avoir appuyé sur Alt. D'accord, j'ai rien dit. D'accord. C'est de la merde, ouais, en fait, le truc. T'as un nouveau système, d'accord. Ah, ok. Ça m'intéresse. Je crois que là, il va y avoir des babies. Babies. Ouais, des babies. Voilà, sauf que là c'est des chiens. Alors pourquoi c'est des chiens à la place des babies, je sais pas. Sachant que je découvre le jeu, mais j'ai déjà vu une partie du Let's Play, c'est pour ça. Et qu'il y a certains trucs qui m'ont marqué. Ok.
On prend les mêmes et on recommence, il disait l'autre. Ça c'est fait. Allez, ramène-toi. Bien vu. Ah, c'est mon conducteur, il m'en faut 150. Pour un. Pour me faire un embout dispersion conique, pour faire fusil à pompe. T'es comme ça toi, fusil à pompe. Crois-moi, si j'ai bonne mémoire, je vais pouvoir crafter un truc qui va déchirer sa mère. Je te crois, je te crois. Simplement que moi, tu vois, je suis... Ingénieur, je sais. Voilà. Non, c'est même pas ça, ça montre que je suis un puriste, je vais... Je vais me la jouer Cutter Plasma comme d'hab quoi. Sauf que moi je suis pas Isaac Clarke donc le Cutter Plasma ne me correspond pas. What the fuck, qu'est-ce qu'il me fait là? 30 secondes, j'ai mon téléphone qui déconne. Mon téléphone qui déconne? Ouais, parce que j'utilise comme timer en fait à la base. Alors voyons voir, machin. On en est à peu près à, si je dis pas de conneries, à peu près 15 minutes. Ouais. Attends, il m'a fermé le timer en plus, l'enfoiré. Bon, ça laissera le temps en plus aux gens de lire le message. On a 16 minutes. Mes excuses pour tout ce bruit, machin. Ok, on s'en fout. Tu m'attends même pas, espèce de bâtard. Tu m'as laissé tout seul. Mais va mourir. Va mourir. Sans déconner, va mourir, ah, mec. Avec, j'ai l'impression qu'il faut tout faire soi-même. Voilà. C'est bon. Moi, je peux me démerder tout seul. Ouais. Ouais, je suis là. Ça devrait les retenir un peu. Bien. La source du SOS est juste au-dessus de moi. Je crois que j'ai trouvé le générateur principal. Si c'est toi l'ingénieur, tu t'occupes de ça. Enculé, va. Même pas tu m'aiderais, quoi. Il y a un ascenseur qui monte à la flèche. Je vous retrouve aux coordonnées. En premier lieu, ce que je te propose, c'est qu'on récupère tout ce qu'il y a récupéré. Genre là, il y a deux kits de soins mini, donc on le laisse. Mais s'il y a des munitions, on récupère. Là, il y a une canette de soda, si tu veux. Bon, elle est vieille de 200 ans, mais bon. Ben, déconne pas, c'est à moi le soda, c'est à moi. Elle, je pense qu'elle est vieille de 200 ans, donc c'est toi qui vois. J'ai soif. Mec, y'en a rien à foutre. Date de péremption. Ça va jusqu'en 2014. Attends, on est en quelle année, là? 2414. Ah, merde. Ouais, ça va. Faut faire que, voilà. On sait rien, c'est en train de me le dire. Ok. J'ai besoin de toi là. Ah là là, tu peux rien faire sans moi. Hein. Vas-y, je baisse ça et toi tu tournes la molette. On a de la compagnie. Chips. Quoi? Ah, ce qui paraît, t'es toute seule. Vas-y. Allez, encore, 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 encore. Nickel. Nécromorphe au fond. Oh putain, il arrive vite, lui. Oh putain, il arrive vite. Il y a un vomito qui est là-dessus, je crois, non? Non, c'est pas un vomito. Oh putain, la vache. Ouais, il arrive vite, en effet. Et normalement, toi, tu tires à côté. What the fuck? Derrière toi, derrière toi. Oh, il va se calmer, lui. Putain, la vache. Voilà, que c'était connerie. Mes conneries? Mes conneries? Monsieur, il va y activer des trucs qui marchent plus depuis 200 ans. Voilà, tu vas nous attirer des soucis. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Moi je dis, si ça a été désactivé, c'est pour une bonne raison. Non, tu mens. Bon, vas-y, on refait la même. Bueno. On a encore la compagnie là, j'entends des trucs bizarres. C'est normal. Non, non. Dans ta tête tout ça. C'est vrai qu'en plus je suis censé être fou. Isaac est censé être fou. Ah bah ce display va être intéressant parce qu'on a la perspective d'un mec qui découvre le jeu. Et la perspective d'un mec qui l'a fait déjà. Ouais, c'est vrai. Et on a aussi la perspective. Le mec qui a pas fait le jeu, c'est le mec quand même qui est censé bien s'y connaître dans l'univers de Dead Space quoi. Je dis pas que tu t'y connais pas, hein. Non, mais... non. Je note, je note. Quand t'auras besoin de moi, je serai pas là. Oh,
Regardez-le galérer, ce civil. Genre, je galère. Mais en fait, le truc, c'est que tu m'aides vraiment pas, espèce d'enfoiré, quoi. T'es qu'un sale bâtard, quoi, sérieux. Je suis militaire, je te rappelle, je suis pas payé pour réfléchir. Bon, t'es prêt? Faut que t'actives ici avec moi, hein, sinon ça sert à rien. Ok, il y a un bébé juste à côté de nous. Il est passé où cet enculé? Hé, hey, on a du jus. L'embranchement est ouvert. Rosen, Locke, faites gaffe. Carver, Isaac, on va à la flèche. Compris. À la pêche? Ah non, à la, flèche. Alors, avant de continuer, je te propose qu'on s'arrête là. Moi, je te propose qu'on continue juste un tout petit peu. Justement, non. Dans l'ascenseur, au moins dans l'ascenseur, allez, viens. Oh putain, t'es chiant, sans déconner. Moi, je te dis, fais-moi confiance. Avance. Y'a un truc à récupérer, là, non? Ah oh, oui, c'est un kit de soins. Sinon, tu vas te faire cracher dessus par tes abonnés. Ouais, genre. Non, mais ça arrête en pleine action, comme ça, c'est pas bon. Bah si, toujours. Ça s'appelle le suspense. Bon, c'est long à charger, quand même, là. Oh putain, là, l'ascenseur de merde. Ok. Là, on a les trappes au plafond. Oh putain de merde. J'aime pas ça. Bon, bah on va se laisser là. Hein. Et donc, comme ça, on pourra continuer l'épisode de... sur l'épisode 4, évidemment, qui devrait sortir la semaine prochaine. Hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc sur ce, moi je vous dis, n'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça prend que quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Non, je dis n'importe quoi, l'épisode 4 va sortir dans 2 jours, normalement. Parce que dans l'épisode 3, hein, tu me fais peur à pas bouger comme ça. Ah non. C'est toi la tête pensante, hein. Moi je suis les gros bras. Non mais tu pourrais quand même dire quelque chose, je sais pas moi. Ça te convient? Ok, j'ai compris. Donc, sur ce, n'oublie pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça prend que quelques secondes et ça fait toujours plaisir, je sais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, je me répète. Je vous conseille également de jeter un petit coup d'œil à la description, puisqu'il y a le lien vers la chaîne de Nano Cooper, CTODN, ici présent. Et donc, de jeter un petit coup d'œil à ce qu'il fait. Et sur ce, n'oublie pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.